télé. C'est l'heure de commencer. Ah bon, ça va. Commençons. Aujourd'hui, nous avons Jacques. Bonjour. Et Catherine. Bonjour. Et Anana. Bonjour. Aujourd'hui, je vais passer à la télévision. Hier soir, un de nos téléspectateurs, M. Anana, a vu une nouvelle comète. Et aujourd'hui, je parle avec M. Anana. Bienvenue, M. Anana. Ce n'est pas M. Anana. C'est un vrai Anana. C'est impossible. Je m'excuse, mesdames, messieurs. C'est une erreur. Coupez, coupez. Télé-français, bonjour, allô, salut. Télé-français, lisez, parlez avec nous. C'est formidable, exceptionnel. C'est excellent, sensationnel. C'est merveilleux, c'est magnifique. Télé-français, fantastique. Télé-français. Salut, Anana. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'écris une petite lettre. Une lettre précise. Mais à qui? Professeur Astronomix. Président de la Société des Astronomes. Et qu'est-ce que tu dis dans ta petite lettre précise? Cher monsieur, hier soir, j'ai vu une comète. On pense que je suis un idiot, mais ce n'est pas vrai. J'ai vu la comète. Aidez-moi, s'il vous plaît, votre ami Anana. C'est excellent, Anana, et précis. Bon, je vais mettre ta lettre à la poste pour toi, Anana. Merci, Jacques. J'ai vu la comète, j'en suis sûr. Oui, ça c'est vrai. Courage. Maintenant, voici la nouvelle bande dessinée. Les aventures spatiales de Rocket Robert. Rocket Robert est un joueur de hockey fameux. On l'appelle Rocket parce qu'il patine très vite. Regarde! Rocket Robert monte au ciel! Oui! Comme une fusée! Il patine trop vite pour rester sur la Terre. Je suis ici, dans l'espace. Enfin, de l'espace pour patiner. Tu reviens avec nous, Robert? Non, je reste avec les étoiles. Au revoir. Dommage. Il était une grande étoile. Il est une grande étoile. Regarde. Voilà une nouvelle constellation, la constellation de Rocket Robert, joueur de hockey. Fin. Toujours pas de réponse du professeur Astronomix. Entrez! Oups! Pardon! Qui êtes-vous? Oh, voici ma carte. Professeur Astronomix. Président de la Société des Astronomes. Ah bon, vous êtes professeur Astronomix. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Et je cherche monsieur... Anana? Monsieur Anana? C'est moi. Oui, monsieur Anana, c'est bien ça. Enchanté. Maintenant, j'ai des questions pour vous. Des questions? Première question. Vous avez vu une comète? Oui, monsieur, exactement. Excellent. Deuxième question. La comète, rapide et brillante? Non, lente et brillante. Avec une pointe devant et une longue queue blanche. Excellent! Superbe!
Maintenant, troisième et dernière question. À quelle heure est-ce que vous avez vu cette comète? À quelle heure? À 21h45. Vous êtes certain? Je suis certain. Un ananas est toujours certain, monsieur. Absolument? Oui, monsieur. Absolument certain. Félicitations, monsieur ananas. Vous avez découvert une nouvelle comète. Voilà, c'est tout pour mes questions. Mais professeur, nous avons une question pour vous. Ah oui? S'il vous plaît, un astronome, qu'est-ce qu'il fait? Un astronome, qu'est-ce qu'il fait? Venez voir avec moi à l'observatoire. Quand c'est le soir et qu'il fait noir, venez me voir à l'observatoire. Les étoiles dans le ciel, elles sont vraiment belles, sensationnelles quand le ciel est noir. Avec mon télescope, mes cartes de galaxies, j'observe les planètes et les comètes aussi. Astronomie X, oh oui, c'est moi, grand astronome à l'observatoire là-bas. Quand c'est le soir et qu'il fait noir, venez me voir à l'observatoire. Astronomie X, oh oui, c'est moi, grand astronome à l'observatoire là-bas. Grand astronome à l'observatoire. Oh, toujours rien sur la comète. Oh, c'est terrible. Où est professeur Astronomix? Attention, attention. J'arrive, j'arrive. Je suis là. Et j'ai une surprise pour monsieur... Pour monsieur... Ananas? Oui, c'est ça, pour monsieur Ananas. Moi, c'est moi. Oh, enchanté, monsieur Ananas. Vous avez une surprise pour moi? Quoi? Une surprise? Oh, mais oui, bien sûr, j'ai une surprise pour vous. Monsieur Ananas de Téléfrançais a gagné un certificat de la Société des astronomes. Il a découvert une nouvelle comète. Il est membre honoraire de la Société. Monsieur Ananas! Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici les nouvelles de TLFR TV. Ce soir, un nouveau membre honoraire de la Société des astronomes. Et le voilà! Oh, mais c'est encore l'ananas! Pardon, c'est Monsieur Ananas, astronome honoraire. Bravo! Félicitations! Vous avez découvert une nouvelle comète! La comète Ananas! Aïe! Mais ça pique un ananas! Aïe! Ici Madeleine Ditou de TLFR TV. Bonsoir. Bravo, ananas! Félicitations! Oh, un astronome honoraire! Au revoir, tout le monde! Oui, au revoir!